monde, alors j'espère que les vacances se passent bien, ça se termine, mais c'est pas grave, je suis toujours là, moi, toujours là. Donc on va faire des cannelloni végétariens. Oui, là tu manges pas de viande et moi je reste tout à fait ça. Vous êtes prêts? Intro! Retrouvez dès maintenant le nouveau livre de Francine, Mes recettes sans gluten, sur son site internet. Bien sûr, je vous présente tous les ingrédients. On prend une casserole, on met une tasse d'eau et on met le petit cube dedans de légumes. Ça dedans et on va le faire fondre dans l'eau. Tous les légumes, vous les réduisez en petits cubes. Donc moi c'est parti, le céleri, les poivrons, la courgette. Allez, au travail. Voilà, comme ça à peu près. Regardez-moi ces couleurs, vert, rouge. Alors tout ça en ce moment c'est dans le jardin. Alors on met un petit peu de l'huile dans une casserole. Et là on fait revenir tous nos petits légumes pendant 10 minutes. Alors moi je mets tout dedans. Ça c'est ce qui va faire la farce pour garnir les cannelloni. On va déjà faire cuire ça pendant 10 minutes. On n'oublie pas nos petits champignons. Ça c'est parti, on va cuire ça. Allez, 10 minutes au feu. En attendant que tout mijote derrière, on prend les petits oignons rouges, les petits oignons rouges, et là, on les met en petits morceaux comme ça. Alors ça, c'est le travail de Victor. Pépère, parce qu'il travaille super bien. Là, je mets ça dans un plat. Alors, Victor, c'est mon caméraman. Là, des fois, il me pose, c'est qui, Victor? C'est mon fils, c'est mon caméraman. C'est mon binôme. Vous ne voyez pas, il a énormément de travail. Et là, on met de la ricotta, 250 grammes qui correspondent à un petit pot comme ça. On mélange tout dedans. On peut ajouter du basilic dedans, de la ciboulette, ce que vous voulez. Alors, les courgettes, au bout de 10 minutes, quand elles sont revenues un petit peu dans le nez, comme je vous ai dit, vous prenez votre bouillon de légumes qu'on a fait avec une tasse d'eau. On verse tout dedans, dans les légumes. On laisse recuire ça 5 minutes. Moi, je vais prendre mes légumes. Ça ne fait pas encore 10 minutes. Attends, j'attends encore un petit peu. Je vais résoudre tout ça, mais doucement, hein, sans les faire brûler. Hein. Là, je vais rajouter mon petit bouillon de légumes, comme je vais vous dire à l'instant. Et on laisse cuire encore ça 5 minutes. Là, on rajoute notre préparation ricotta, oignon rouge cru dedans. J'ai mis un petit peu de jus de côté, parce que quand on va faire cuire les pâtes dedans, ça va les aider à faire cuire. Donc là, on mélange la ricotta avec les légumes. Là, on prend un plat qui va au four. On prend nos petits cannelloni et on va les bourrer de légumes. Alors, bourrer comme vous pouvez. Voilà, on les fait tomber simplement dedans. Alors, à vous, c'est de boucher avec le pouce en dessous parce que si je laisse comme ça, tout retombe en bas. Hein. Là, on met tout dedans. On se dit à tout de suite parce que j'ai pour 3 heures. Une éternité plus tard. On a fini le cannelloni. On a tout essayé derrière votre dos. Hein. La poche à douille, tout ça, ça n'a pas marché. Alors, si vous avez une astuce pour gagner du temps, pour faire remplir les cannelloni, et là, avec la sauce qui restait, je vais la mettre dessus. Parce que vous savez, il faut un petit peu de sauce quand même pour la pâte pour qu'elle puisse cuire. Hein. On ne va pas l'acheter. Et là, vous prenez votre sauce tomate et on met tout ça dessus. On prend le parmesan qu'on a et on verse sur notre petite préparation. Allez, moi, je vais mettre le parmesan. Je vais en mettre. Mets tout. Allez, mets tout, Victor. Il dit mets tout. Mets tout. Hein. Allez, hop. Allez, hop. Il n'y a jamais trop de parmesan. Et là, ça part au four environ... Ah, toujours, ça dépend de votre four. On reste cuit ou pas. Hein. À 180 degrés pendant 30 à 45 minutes. Bon, c'est parti. Et puis après, on revient, bien sûr. Mes cannelloni sont sortis du four. Alors, j'ai quand même fait la gourmande. J'ai goûté quand même. C'est chaud. Vous allez vous régaler, c'est très très
très bon. C'est un petit peu croustillant encore à l'intérieur, moi j'aime bien. Dites-moi d'où vous venez. Si vous l'avez fait, bah, montrez-moi votre photo. Comptez vous abonner à la carte partagée, la petite clochette en haut. Et Victor et moi, on vous fait tous des gros bisous. À bientôt. Au revoir.